d'abord, et moi-même, moi pas capable de dire que émissaire ou bien éminente personnalité comme eux, yo aller sans aucun résultat. Moi-même, moi crois que effectivement, yo t'es venu dans pays là pour être capable de joindre faciliter un accord entre parties prenantes, entre protagonistes. Bon, à quoi pas joindre. Cependant, moi crois et nous-mêmes dans l'idée nous crois que yo aller avec une meilleure compréhension de situation pays à situation crise la crise à lui-même yo aller avec une meilleure compréhension de manque de volonté ou bien bonne volonté acteur en présence. Yo comprendre que et premier ministre avec Alilio yo pas voulu négocier de bonne foi. Yo comprendre que premier ministre organiser concevoir et élaborer un document qui pour bal plus pouvoir. Il a besoin de faire nous-mêmes, signataire Kingston, yo, et nous-mêmes, pour la plupart, qui n'ont pas uni un sien document. Donc, vous dites que c'est un document préparé par le gouvernement? Oui, évidemment. Document qui a partagé dans la rue, ou qui est sur les réseaux sociaux, yo, qui est sur Facebook, WhatsApp, etc. Eh et bien, document ça, c'est un document effectivement qui a été élaboré, d'abord conçu et élaboré par l'équipe de la primature et les alliés du pouvoir. Ah bon? Et objectif là, c'était garder, si nous-mêmes, nous étions capables d'accepter le document. Ça, en façon qu'on était légitimé Ariel Henry pour notre 2 ans encore. Le document ça, les prétend que l'on exécutif bicéphale, côté pouvoir, acte exécutif yo balancé, c'est pas vrai. Donc c'est un document qui effectivement consolide pouvoir total, pouvoir unique et monsieur Ariel Henry dans tête primature. Par exemple, on nous connaît Jonathan Parole par exemple, c'est quand même un émissaire. Et on dit que monsieur il est très impliqué, il avait la mission pour le préparer le terrain. On a dit que c'est lui qui a préparé le document, Jonathan Parole. Donc vous voulez dire que Jonathan Parole de connivence avec le gouvernement, n'a préparé un document comme ça? Bon, moi-même, ça me capable de dire, c'est que aider qui a participé dans la discussion à tout niveau, pas participé dans la conception et élaboration du document ça. Et c'est pareil pour un paquet de l'autre groupe qui signe la déclaration conjointe Kingston. Mm-hmm. Donc, c'est pour me dire qui ça? C'est pour me dire que c'est un document qui est conçu, élaboré par l'équipe du Premier ministre et ses alliés. C'est un document... Qui compris Jonathan? C'est un document... Je ne sais pas qu'on est. Mais c'est un document... Non, mais... Bon, ça arrivait que... Et gen, Premier ministre et avec Alielio, ils ont gagné une volonté et ont cherché un émissaire quelconque pour être capable de légitimer le document. Bon, c'était bien compté, mal calculé. Parce que les documents sont arrivés sur nous et chaque grain dans le parti politique que vous connaissez, vous ne pouvez pas reconnaître le document, vous ne pouvez pas reconnaître le document. Mais c'est plus que ça, Assad. C'est plus que ça. Et c'est un premier ministre qui l'a, M. Ariel Henry, de facto, qui a organisé et fait tout ça capable pour les quimber pouvoir. Pour les. D'ailleurs, nous tous connaissons. Et M. Ariel Henry, lycée président, lycée premier ministre, lycée ministre intérieur, et il a un paquet de l'autre fonction en exécutif qui a gagné en bas même en cachette. Premier ministre, pas voulu lâcher pouvoir, malgré bilan catastrophique pendant 2 ans sous pouvoir. Donc, nous tous connaissons ça, et document ça, il a participé dans la logique pour permettre à Ariel Henry qui a le pouvoir. Mais on va à ça de pas oublier. Document ça, il semblait tête coupée avec document, et sur son résumé, document 21 décembre 2022, qui publié dans le moniteur 3 janvier 2023. Dans le document ça, il y a un ACT. Et ACT, ça, il y a même pouvoir conseil de transition. Conseil de transition pour les
nous t'es capable d'y participer non nomination etc même Jean a cité à tout l'idée de participer alors sur c'était ça il dit n'a contre signé évidemment a cité participer bon mais, sauf, mais ça il dit n'a contre signé n'a formé gouvernement ensemble sauf que c'était ça qui a moins pouvoir que a cité ah bon bien sûr parce ah que bon? Oui regardez pour ouais ACTA, les deux participer même, consulter même dans toute nomination qu'a faite dans plus haut niveau dans l'État. Mais CTA va gagner lui-même. Nous avons regardé les documents. C'est-à-dire que ACTA qui n'a accord 21 décembre qu'un engagement yo pas respecté par le Premier ministre. Il y a plus pouvoir. Il y a plus pouvoir que CTA. C'était ça qui prévoit. Que c'était ça qui prévoit. Mais il dit que il a fait gouvernement avec nous, il a fait CP ensemble. Il dit que nous prenons le conseil des ministres. Non, bon, il est supposé faire même bagaille avec ACTA. Donc ça veut dire que pas gain échangé. Pas gain échangé, sauf que gain moins de pouvoir que MDO. CTA gain moins de pouvoir que ACTA. Donc, acteurs qui sont pour la plupart, ou ça me connaît, j'ai aidé nous de bonne foi pour nous discuter, jouer nos dénouements à Crisa. Mais pas avec document ça. Non, pas avec document ça. Mais il y a un ensemble de préalables. Tout. Avant de venir sur préalables, je vais m'arrêter sur Jonathan Powell. Parce que Audi, son document gouvernement et Aliel, est-ce que vous considérez Jonathan participer volontairement dans un document comme ça qui de nature à renforcer le pouvoir de Ariel? C'est ça que je comprends. Bon, moi-même, je ne connais pas. De bonne foi, bien, je ne trompé-le. Peut-être trompé-le, parce que moi, je pense qu'il y a quelques acteurs, on dit quelques. C'est influencé. Dans la communauté internationale là, qui besoin. Crise à résoudre parce qu'elle doit durer. Même Jean Kédé, même Jean avec plusieurs signataires de déclaration Kingston, nous avons effectivement besoin d'une issue à crise. Nous avons besoin de bagaille ça résoudre. D'accord? Mais qu'on y a, il n'y a pas qu'à résoudre n'importe qui façon. Il n'y a pas qu'à résoudre pour nous récompenser Ariel Henry pour nous dire pendant 2 ans, où tu es tellement à diriger le pays à bien, où tu es tellement bas de sécurité, où résoudre le problème de kidnapping là. Économie marché indicateur yo pas rouge gagné pas gagné misère et peuple a pas quitter pays a jeune yo ingénieur avocat docteur agronome yo pas quitter pays a papier les papaquette pour yo aller dans des destinations inconnues et incertaines donc ou tellement t'a bien dirigé et mais ben nous consolider pouvoir non troisième accord et c'est ça pour nous comprendre dans dynamique ça Assad. Donc c'est un troisième accord avec un document pacotille que M. Ariel Henry a taillé et pour lui vienne faire nous-mêmes dans déclaration Kingston les principaux acteurs qui a demandé et pour situation changer et ben c'est lui pour nous accepter. Bon, bah, Ariel Henry plus pour. On parle de déclaration Kingston, on parle de ensemble du parti, on parle de Lavalas, on parle de Montana, on parle de OPL, on parle de Unir, on parle de Gré, Mopo, en avant. Jodi en avant. Fédé. Est-ce que position sera soutenue là? Est-ce que c'est la position de ces partis signataires de la déclaration de Kingston en bloc? Bon, de toute façon, s'il pas de position et acteur dans déclaration Kingston yo document l'étape accepté malheureusement parti prenantio yo dit yo pas accepté un document comme ça et parce que yo pas confortable après 2 ans d'échec total et au lieu pour Ariel Henry d'attirer la révérence c'est plus pouvoir pour nous balayer et document ça comme doulala c'est exactement un document qui visait à renforcer pouvoir monsieur Ariel Henry renforcer pouvoir monsieur Ariel Henry comme premier ministre tout puissant vraiment premier ministre tout puissant et avec une espèce de conseil présidentiel de 5 membres sous tête li mais qui véritablement va avoir aucun pouvoir c'est presque un bagage symbolique parce que comme alors ces réflexions ça équipe Ariel là avec Aliel yo fait comme n'a mandé un exécutif bicéphale qui répond lettre à l'esprit constitution hein, qui normal jodi a après 2 ans de gouvernance catastrophique donc évidemment faut retourner dans la constitution hein. Donc comme n'a mandé Ariel dit mais ban nou bal yon bagay et ça n'a bayo a n'a bayo un bagay symbolique
avec une espèce de conseil présidentiel qui n'a pas aucun pouvoir et que moi-même m'apprêter comme tout-puissant. Tout-puissant qui gagne droit de vie et de mort sous, on est capable de dire, population haïtienne, sous ministre, etc. Et vous croyez que Ariel Henry est très confortable. Je dis à un conseil des ministres, qui sont conseils des ministres, qui sont sous coupe réglée, popétuel. Donc c'est Ariel qui décidait de A à Z. Donc c'est lui-même qui contrôlait toute réalité de l'État, tout appareil de l'État. Lui utilisait pour faire persécution politique, l'élevé, parce que tout le monde soumis avec Ariel Henry. Non, donc c'est situation ça qui est là. Par contre, si monsieur fait persécution politique, parce que maintenant des leaders politiques à parler, maintenant des mandats, maintenant des persécutions, des persécutions politiques en Haïti, je veux dire. Ah, bien sûr, des persécutions politiques. Peut-être que tout le monde ne peut pas parler. Donc, sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes. Et de toute façon, depuis que. Non, on va dire, monsieur, des persécutions politiques. On va l'expliquer. L'organien et on va permettre. N'a pas le soir, quoi. On va permettre que moi, pas dit tout bagaille et je dis, ya. Mais l'ordre a toute réalité pouvoir dans main. Pouvoir exécutif là dans main en bas main. Pouvoir judiciaire en bas main. Pas gagné pouvoir législatif. Donc pas gagné et l'autre on t'a dit pas aucun contre-pouvoir. L'autre pas gagné contre-pouvoir. Donc c'est la dictature, donc c'est la balance, c'est la donc... dictature pure et simple. C'est pas velléité dictatoriale rien. C'est la dictature pure et simple. Les toutes institutions en bas main Ariel Henry. Donc moi-même, moi connais qu'il y a un pile manifestation de persécution politique que moi et réservé le droit. Jusqu'à présent, monsieur Gros, j'ai montré ça, mais maintenant sous accord. Et comme si j'ai l'impression que nous changeons de position. Là, nous défendons un exécutif bicéphale. Alors si nous connaissons, positionnons tes tranchées. Il faut que Ariel démissionne. Qui ça nous défend aujourd'hui comme nous-mêmes comme opposition? Est-ce que chaque monde a une position pareille ou bien est-ce que nous avons une position unitaire? Je veux dire. Bon, c'est ça que fait me dévler méthodologiquement pour nous regarder question. Gagner une espèce de fabrication du consentement qu'a fait Jodia dans la presse, pas essentiellement dans les gazettes. Ce question à quoi? Fait quoi que tu gagnes une discussion et que acteur yo pas et aboutit à rien avec négociation. Il n'y a pas eu de négociation. Alors que pourquoi gagner une négociation? Gagner des rencontres séparées avec des acteurs politiques. Des rencontres séparées qui fait avec Eddie pendant 3 heures de temps d'échange. Avec qui? Non, beaucoup avec émissaire, avec groupe éminente personnalité CARICOM. Donc, nous-mêmes, non, beaucoup dans question négociation pour nous affirmer position qu'on connaît nos gagnants. Nous, plutôt, à poser des préalables qui est important. Avant même, nous monter sous table là. Conchita avec M. Ariel Henry, il y a un juge d'instruction qui invite il pour la répondre question sur implication présumée. Ou bien sous ça le connaît dans événement 6 pour 7 juillet 2021. Son juge d'instruction qui invite comme premier ministre. Donc techniquement, avant même Ochita son table discuter avenir pays a des important pour la répondre question juge là. Donc, or, ça nous constate. Ça va faire mission coupable. Non, il n'est pas jugé. Du tout pas. Du tout pas. Non, ça va être droit pour. Non. Écoutez, son lot. Il n'est même pas inculpé. Non, son lot problématique. D'accord? Ou son premier ministre qui prend refuge dans un pouvoir. C'est comme quoi c'est un fugitif, mais celle différence qui entre M. Badiou et M. Ariel Henry, c'est que M. Ariel Henry l'a exercé pouvoir. Dans tout compartiment. D'accord? Maintenant qu'on y a, si vous voulez discuter de bonne foi avec des acteurs sur l'avenir pays, ou pas principalement qui a fait obstruction avec la justice. Donc ça, c'est l'obstruction qui pose problème. Donc, c'est l'obstruction qui pose problème. Refus d'aller voir le juge. Refus d'aller voir le juge. De se présenter par devant le juge. On s'est mis tout même tout d'aller devant le juge là. Ça n'a pas été droit pour ça. Évidemment. Yeah. D'accord? Mais les invités m'allaient. Mais M. Ariel Henry, c'est premier ministre. C'est mon président, j'ai envie de dire là. Donc, si on fait obstruction à la justice, on ne peut pas demander aux gens pour venir discuter à venir payer à court. Ça, c'est la position donc, de aider. Aider, il y a une position claire sur la question. Monsieur Ariel Henry, pour nous chita, discuter, nous ne pouvons pas arriver sur la question exécutif bicéphale, pas bicéphale. Il y a un préalable ça qui est posé. Pour nous chita sur la table là. Faut que j'aille devant le juge là. Faut que Monsieur Ariel Henry suspende
fait obstruction à la justice. Mm-hmm. Parce que, quoi nous tous connaissons, c'est M. Ariel Henry qui a été révoqué commissaire gouvernement, parce que commissaire gouvernement, t'es écrit Digicel pour Mandel, lien téléphonique Ariel Henry avec Badio. Mm-hmm. C'est M. Ariel Henry qui a été révoqué Bedford Claude, parce qu'en conseil des ministres, ministre Rockefeller Vincent, parce qu'en conseil des ministres, Rockefeller Vincent, Mandé Ariel à répondre question la justice MDLA. Et c'est Manon Militari que M. Ariel Henry révoqué juge Rockefeller Vincent parce qu'il demandait à répondre question la justice. Tout simplement, vous savez. Alors que. À répondre question la justice. Vous dites, Bedford Claude, t'es dans le conseil des ministres? Non, non. Et Rockefeller Vincent, t'es dans le conseil des ministres. Donc le ministre de la justice a supposé le conseil du président, mais du premier ministre. C'est un ministre conseil. C'est ton conseil ou bien c'était. C'est ton parce qu'il devait accuser. Non, ce n'est pas parce qu'il devait accuser. Moi, son GFA, quoi je dis, hein? Monsieur Rockefeller Vincent, mandé Monsieur Ariel Henry à répondre à une question à la justice parce que la situation est bouleversante, est inquiétante comme Premier ministre. Et résultat, Premier ministre a révoqué. Et me songe, c'est moi qui ai sauté dans la primature, même côté Ariel Henry. Manon Militari révoqué Rockefeller Vincent, eh bien, machine Rockefeller Vincent pas rentrer dans la primature. C'est moi qui bat le libre pour le sortir dehors. Sinon, monsieur Totax, il dépend. Donc, c'est pour me dire que c'est une pratique systématique d'obstruction à la justice. Et sous base ça, nous-mêmes nous dit, c'est préalable. Sous base ça, nous-mêmes nous posons préalable. Et, émissario comprennent. Vous l'avez vous dit ça, émissario? Clair, émissaire comprennent que son problème technique qui doit résoudre parce que yo même yo pas d'accord en un pays yo pour qu'on premier ministre qui fait obstruction avec la justice et puis pour la participer comme si m'était dit c'est pas aucun problème, c'est aucun problème et puis la participer dans négociation politique pour définir discuter avenir nation. Mm-hmm. Donc nous même dans aider nous fait valoir, n'est-ce pas, position préalable ça qui sont préalables qui causé et en fin de discussion. Mais maintenant, nous rendons au groupe, en tournée dans 15 ans. Je m'en pose la question encore, parce qu'il fut un temps, j'ai l'impression qu'il y a un parti dans 15 ans qui radicalise les positions, à savoir qu'il faut qu'Ariel démissionne à la date du 7 février, parce que ils font accord, 21 décembre, qui en dedans, le moniteur qui dit qu'il a démissionné à la fin de la date. Ça, mais il y a un autre groupe tout qui te paraît, il me semble, pour ta cohabiter. Avec Ariel, on a dit moyennant un véritable exécutif bicéphale côté pouvoir contrebalancer. Est-ce qu'on réalité comme ça en dedans question? Côté, moi, je ne suis pas venu là pour me discuter pour l'autre groupe qui n'a déclaration conjointe Kingston. Mm-hmm. Et ça me connaît, c'est que gagnant un document là la sorti, il m'a exécutif bicéphale. Mm-hmm. Et non, exécutif bicéphale, ça, il dit avec un autre premier ministre. La parler de salut public. Évidemment. Mm-hmm. Avec un autre premier ministre. Un document. Le document de la Valasse. Bah oui. Ouais. Gagne le document du collectif des 8 partis politiques qu'on connaît. C'est un exécutif bicéphale avec un autre premier ministre. Mm-hmm. Il y a le document de Montana, un exécutif bicéphale avec un autre premier ministre. Mm-hmm. Il y a la position de aider. Il y a un document que nous te soumettre à l'émissaire. Eh bien, c'est un exécutif bicéphale avec un autre premier ministre. Maintenant, nous n'avons pas nous espérer. Donc, moi, on va parler de bicéphale là, on peut parler d'Ariel. Avec un autre premier ministre. Quel que soit le document qui vient là, il doit refléter la position majorité monde qui est dans la déclaration Kingston. Mm-hmm. Et jusqu'à maintenant, moi penser que nous confortables ensemble et non logique pour situation pays a changé non logique pour capoter système non parce que quoi nous tout connaît je dis a puisque gouvernement ça qui participait réellement dans détruire l'espoir c'est parce que système non permet les faire et son système qui gagne gardien son système qui gagne bénéficiaire il arrive que maintenant dans moment on a parlé là Ariel Henry, c'est le véritable gardien de ce système. Un système qui est générateur d'inégalités, d'extrême pauvreté et de violence. Un système qui participe et qui détruit l'espoir. C'est ça que fait. En pile jeunes garçons et jeunes femmes,
ingénieur, docteur, agronome, en pile cadre dans l'État, en pile moun nan classe moyenne pays a véritablement y a quitté pas pile et pas paquet pour des destinations inconnues. Donc ce système ça nous-mêmes nan aidé, nous quoi qui doit capoter, ce système ça nous doit changer. Et combat nous c'est un combat pour changer système là. Il arrive que Ariel Henry très confortable je dis, c'est tout simplement parce que l'affaire a fait système, parce que seulement poser cette question. Un premier ministre qui là pendant 2 ans. Qui pas réalisé rien sinon un bilan catastrophique et bien confortable comme ça. Ou pas avoir un mouvement, ou pas avoir rien qu'à faire contre lui, c'est tout simplement parce que c'est le gardien de ce système. Donc, il rend le système non plus confortable et le système non en retour, il récompense, il rend le plus confortable. Qui sont à répondre avec moi qui croit ou même tout son élément du système. Bon, écoutez, pour avoir été premier ministre de Jovenel Moïse, pour avoir été ministre des Affaires étrangères. Ouais. Donc, je dis, ou pas différent de ça qui vient là. Écoutez, il y a une logique simple. C'est l'or passé en un système là, ou mieux comprendre le système là, et ou capoter le système là. C'est ça qui fait moi-même le système n'a pas récompensé après. C'est ça qui fait moi pas choisir faire silence après. C'est ça qui fait moi lancer mon bataille contre le racisme et l'ultranationalisme dominicain. Moun qui c'est gardien de ce système, les éléments de ce système pas camper face avec les racistes dominicains, les ultranationalistes dominicains. Yo pas camper contre yo parce que véritablement gardien système nan, yo gon récompense yo joine nan main oligarque dominicain qui c'est des véritables racistes également. Donc avantage que élément de système non mais qui voulait bit système non moi crois que passage dans système non l'aider l'aider me comprendre que c'est un système qui là pour détruire aspiration masse là il montre que son système qui là pour craser l'espoir il montre que son système qui campait pour protéger 5% monde qui a 85% richesse pays dans main donc dans système ça l'on entre là-dedans, ou vient tellement fréquentable, ou pas qu'à parler après. Donc, plus fort monde qui entre dans le système comme premier ministre, yo silence, je dis. Yo silence sur réalité, population. Le récit parlé, ou bien comme ancien président, le récit parlé, yo la lose sur situation pays. Yo la lose sur situation pays. Ou très tranchant, sous position yo. Et, mais il y a monde qui dit, Claude, que vous avez été ministre des Affaires étrangères de Ariel Henry. Non. Et que nous dit que si Ariel Henry était bon dans le gouvernement, ou pas t'apprendre facile. Qui sont répondre mon zaire? Bon, c'est peut-être des monde qui pas comprendre politique. Mike Pence c'était le vice-président de Donald Trump, mais il campait face avec lui dans l'élection. Nikki Haley par exemple, c'était ambassadeur de Donald Trump. Il campait de face avec lui comme président, comme concurrent, comme compétiteur. La seule différence pour mon zaire, qui a dit ça. On a remis tout fait et éducation yo, d'accord? C'est moi-même comme premier ministre qui s'y ont arrêté, on l'a arrêté d'ailleurs, qui passait pouvoir by Ariel Henry comme premier ministre. Donc, d'abord, c'est une action de un premier ministre à un premier ministre, d'accord? Mais ensuite, moi, tourner dans un gouvernement comme ministre affaires étrangères, comme le voulait, bien sûr, feu président Jovenel Moïse, que me retournais comme ministre affaires étrangères. Mais c'est comme quoi c'était une cohabitation. Sans les cohabitations. Donc, pas de Ariel. Non, c'est une cohabitation pour moun, tout le monde qui connaît. Dans la période ça, petite période ça. Assad, et ou même qui journaliste ou connaît, c'était une cohabitation. Parce que s'il y avait une opposition par rapport à Ariel au sein même de ce gouvernement, c'était moi-même. Je te le conseille. D'accord. Ensuite, et c'est ce qu'on veut créer, ou bien certains groupes veulent créer aujourd'hui. Yo pa vle Ariel gen toute réalité pouvoir nan men yo, yo vle on cohabitation. Donc nous même nan aidé nous en cohabitation parce que nous pensons que tant Ariel là le fini, ou pas ka récompenser Ariel avec un 2 ans de pouvoir encore. Donc c'est-à-dire que c'était une cohabitation quand moi-même j'étais membre de ce gouvernement comme ministre. Donc tu as accepté pour venir ministre affaires étrangères parce que sorti pour le ministre pour venir accepter ministre affaires étrangères, gen moun ki interprété différemment. Ou pas de doué faire ça. Bon écoutez, mais au même on dit que
encore une autre fois. Tu cohabitais avec Ariel? Encore une autre fois. Dis-moi, regardez ce qui a passé en Angleterre, là, Kounia. Un ancien premier ministre qui a accepté d'entrer dans le gouvernement actuel, là, comme ministre des Affaires étrangères. Absolument. Le ministre des Affaires étrangères, son gros portefeuille ministériel. On y comprend ça. C'est ça que fait automatiquement mon bon ami et joute les démissionner pour convenance personnelle. C'est moi-même qui viens premier ministre. Parce que j'étais ministre des Affaires étrangères. Son ministre d'État. Son ministre d'État, son ministre des Affaires étrangères qui gagnait, souvelait une certaine connaissance dossier de la présidence, dossier du pays. C'est-à-dire en matière de relations internationales. Donc ce n'est pas un rétrograde ou rétrogradé, leur décider à le cohabiter parce que ma volonté, c'était. De combattre Ariel Henry? Ce n'est pas de combattre, mais de. On était capable de dire. Forcé pour question enquête président Jovenel Moïse capable d'une lumière qui fait du soleil et Assad au connaît c'était véritable bataille moins au sein même de ce gouvernement. Pas oublier le premier conseil des ministres qui était gagné, c'était une opposition farouche par rapport à monsieur Ariel qui voulait prendre un décret pour annuler Annie. Et c'est moi qui t'ai campé face à Bagaïsa. Donc tu étais toujours dans l'opposition à Ariel, même à l'intérieur du gouvernement. Comme tu savais bien. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, Antoine, où t'as rajouté ton bagage? Non. Moi-même, t'as dit que c'est plus que ça. Mais la question aujourd'hui, c'est pas une question de Ariel, c'est pas une question de Claude, c'est pas une question de Maurice Jean-Charles, c'est pas une question de Montana, c'est une question de Haïti. C'est une question de. Comment n'a pas reconstruit l'espoir et quitter Ariel Henry engagé pays annoncé de grands chantiers pour 5 à 10 ans Kavina et bien il participer dans un projet de détruire l'espoir. C'est-à-dire que quitter Ariel Henry organisé dans insouciance et indifférence misère population élection et bien ou hypothéquer vie jeunesse là dans 5 à 10 ans Kavina. Ça veut dire ti moun qui a 10 ans jodi a ou quitter Ariel hypothéquer la vie yo. Il a 15 ans, il a 20 ans. Antoine, donc, le combat, ce n'est pas un combat contre une personne, une personnalité. Ce n'est pas réflexion de caprice de Claude Joseph ou bien dans l'autre groupe, mais c'est un combat pour le pays. C'est un combat pour sauver Haïti. Antoine, non, à quoi? Maintenant, comment ça finit là? Comment les émissaires sont partis? Ils sont partis avec les mains vides, ils sont partis avec un gang avancé. Ou dit que gagne avancé qui avancé. Moi pensais que émissaire yo parti avec une meilleure compréhension c'est ça me saute tout à l'heure. Moi pas pensé que yo parti Jean était venu. Yo wè ki moun qui voulait avancer réellement. Yo wè ki moun qui prêt pour faire des concessions réellement. Yo wè que moun nan pouvoir yo voulait continuer à bénéficier avantage indu pouvoir. D'accord? Yo wè ça. Et il y a plutôt un document qui reflétait la position du PIFO Group qui est dans la déclaration Kingston, yo, mais surtout qui reflétait la position du peuple haïtien. Donc, dans ce sens, moi, je pense que nous avons sorti Kingston la première fois, ça doit songer. Il y a des gens qui pensaient que nous sorti Kingston n'est pas quelqu'un qui joue. Ou même, on a parlé ça dans le micro ici, dans le rendez-vous, Assad. Il y a un plus gros regroupement de partis qui n'est pas nécessairement d'accord avec l'autre. Mais ils ont un document ensemble et ils auraient été jusqu'à maintenant, ils ont réfléchi son espace de socialisation politique, là, Claude, de Claude, réflexion politique. Claude avec Lavalas, Claude avec PHTK, donc c'est un bon mélange. Et oh. ça me capable de dire, c'est deux mounio qui va même côté. Son oh. effort. Bon, par contre. Nous avons comme effort ou bien est-ce que pas de jambes gagnent vrai? Donc, quand même, qui interprété le comme ça. Bon, et aider, c'est un parti du centre, un parti de synthèse, d'accord? Qui chita avec monde qui est à gauche, monde qui est à droite. Bon, véritablement, c'est des clichés en Haïti. Donc, on a une question gauche là, elle est questionnable, question droite là, questionnable. Mais nous chita avec. C'est ça qu'on voit centre là? Donc, mais ça qui est intéressant, c'est que nous chita avec monde qui est dans différents, qui est différentes positions, positions qui pas historiquement pas même côté avec nous, etc. Ce sont partis du centre. Donc, nous-mêmes nous encourager et je t'attendais à tout le monde. Mais par exemple, qui concession, par exemple, aider ou bien groupe, question, t'as parlé pour le faire, puisqu'on parlait de nos de compromis. Est-ce que concession nous parlait pour nous faire?
nous-mêmes, toute concession, moi, pensais qu'il y allait dans le sens peuple haïtien, nous parions pour nous faire. Mm-hmm. Ça, c'est très large. Non, mais, par exemple, est-ce que nous parions pour nous. Comme si tu as un côté, bon, Jean-Baptiste, il a bon, nous résilier, nous, avec Ariel, et que nous avons fait transition avec Ariel. Oui, mais moi, je dis ça, oui. Non, parce que moi, c'est moi qui facile. Oui, non, parce que je ne connais pas si ça, vous pensez, mais le peuple a dit, mais. Écoutez, c'est vraiment deux mondes qui passent sérieux. Mm-hmm. Et dans ça, Ariel l'a payé là. Tout ça, vous avez fait, c'est pour être capable de partager gâteau dans la misère, mm-hmm. dans la crasse, dans la souffrance, dans la paupérisation. Vous avez dit dans le cauchemar que mauvais rêve que la population a vu aujourd'hui. Mm-hmm. Et nous-mêmes, nous aidé, nous pas. Mais maintenant, vous avez un dilemme. Comment le faire partir? Comment arriver à faire Ariel quitter le pouvoir? Parce que la politique, ce n'est pas seulement une question de volonté, mais c'est le pouvoir de le faire, les moyens de votre politique. Comment? Bon, mais si répondre. Est-ce que ce sont des négociations, ou bien ce sont la RIA, qui force réelle opposition à gagner aujourd'hui pour le faire aller? Bon, de toute façon, moi-même, moi, je crois que c'est démocratiquement pour le faire aller. Bon, on va parler. Oui. Oui, bien sûr. Sans âme. Sans âme. Oui. Sans coup d'État, même si son pouvoir qui chita son coup d'État. Mm-hmm. Nous-mêmes, nous pas quoi son coup d'État pour y prendre, pour y aller. Même j'ai eu même été un coup d'État et qui était résulté d'un assassinat en président. Nous-mêmes, nous quoi c'est démocratiquement, parce que ces âmes nous ont aidé, c'est principe démocratique que nous suivons. Mais nous-mêmes, nous comprenons. Là, on dit comment pour qu'a fait un tout puissant comme ça. Oui. C'est fondamental. Oui, comment qu'a fait un monde qui tout puissant comme ça aller? C'est lui président, c'est lui premier ministre. C'est lui qui ministre intérieur, c'est lui qui gagne en bas même toute réalité pouvoir. Donc comment on capable faire l'aller? Et parce que je crois même là, il est capable utiliser appareil l'état à tout moment quand tout. Comment on capable faire l'aller? Nous même nous toujours dit ça. Nous croyons que crise là commencer prendre maturité. Nous croyons population commencer à réveiller petit hein? Mm-hmm. petit. Et nous toujours dit bataille peuple haïtien pas gagnant, c'est bataille il pas décider mener. Mm-hmm. Par exemple, nous d'accord que Ariel est très impopulaire. C'est-à-dire, si le monde ne peut pas être parrain, mais c'est Ariel. Mais le peuple haïtien ne peut pas être nous tout. Nous ne pas courtiser là. Vous êtes aussi impopulaire qu'Ariel au sein de la population parce que nous n'avons pas le peuple va suivre. Nous. Est-ce que c'est ça ou pour aider, par exemple? Bon, moi, il était tenté pour manifestation qui était manqué prend. Bon, moi-même, je ne dis pas que il manqué prend, nous ne pouvons pas parler sur ça. Dans le contexte nous là jeudi là nous font manifestation jeunes femmes jeunes garçons foulés béton hein, yo sorti dans destination côté yo sorti dans lieu côté yo té dans différents points bien sûr yo rivé dans destination que yo té visé là son gros bagaille donc c'est dans contexte dans contexte côté nous d'accord pas gon réveil dans contexte côté nous même nous même dans aider nous manifestation ça comme une réussite totale. Maintenant, ce n'est pas seule manifestation. Mm-hmm. Seulement. Mm-hmm. Nous croyons que aider pour faire mobilisation dans tout le pays. Aider? Bien sûr. Aider pour faire mobilisation dans tout le pays. Donc, est-ce que vous dites actuellement, là, vous parlez, aider dans tout le pays? Bon, bien sûr, où est-ce ça? Non, où est la photo? Oui, où est la photo? Où est la photo? C'est réel. Est-ce que vous pensez que c'est Photoshop? C'est faux. En tout cas, ce n'est pas faux. Nous sommes où? Parce que réunis dans chaque commune, depuis l'idée est venue, nous avons venu. Non. Mais construire un parti politique avec des gens qui sont des adhérents, qui n'ont pas de parti, qui défendent le parti, est-ce que aider dans un petit temps, tout coup de conseil, est capable de dire que il y a un parti national? Oui, le parti aider est national. C'est avantage ça que nous avons aujourd'hui. C'est ça que nous disons, nous allons lancer une mobilisation dans tout le pays. Mm-hmm. Parce que nous croyons que nous avons une capacité pour nous faire. Et mobilisation, c'est de rencontre populaire qui eux-mêmes a exprimé par rapport à la situation pays. Donc, moi, je pense que c'est une mauvaise évaluation de la part de ce gouvernement et de ses alliés pour minimiser ce qu'a fait là. Je veux dire, comprendre que c'est la classe politique, dans sa grande majorité, qui a demandé à Ariel tant de raisons de tirer la révérence. Ce n'est pas deux groupes monde sous capricieux. Il y a plusieurs plateformes politiques, il y a un front qui réunit toutes parties qu'on a, qui demande la démission d'Ariel Henry. Il y a plusieurs plateformes qui demandent, il y a plusieurs organisations populaires qui demandent. Donc, moi, j'espère que allier pouvoir, si équipe pouvoir,
évaluer ça qu'a fait là. Parce que moi, je sens que... Dis-moi, ça Claude vaut politiquement pour que tu as demandé pour pouvoir aller. Bon. Claude pas en force politique. Bon, en tout cas, et moi-même, c'est pas moi qui peux dire, d'accord? C'est mon nom pour elle. Et moi, j'ai une histoire, bataille en un pays d'Haïti qui datait de plus que 25 ans. Ma jambe fait courater dans la politique. D'accord? Donc, moi toujours bon côté moun ka manifester contre l'injustice, l'arbitraire, le totalitarisme, les velléités dictatoriales. D'accord? C'est là que toujours y est. Bon, et pas tout mon cap d'accord avant. Bon, nous allons tourner dans l'histoire. Mon cap d'accord, le tap goumen contre Aristide, c'est pas contre l'injustice. Le tap goumen. Donc, ça, son parenthèse, on ferme un lit. Non, si vous voulez me faire. Non, c'est ouvert, mais. Non. Qui a fait ce débat parce que. Non, parce que moi, pas quoi que c'est le moment. Ok, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est un moment d'union, d'entente. Ok. Je dis, je suis sur la table avec Famille Lavalas et l'objectif est Ariel. Il ne faut pas révéler les vieux démons. Assad, objectif sous table-là, c'est. Autour de table-là, c'est changer. Ça gagne là. Système non, changer ça gagne là. Ok, maintenant, Claude, bon, on a dit. Et gagne un camarade politique qui c'est Jean-Charles Moïse. Oui. Que nous battons de quelque temps depuis 18 mai, qui parle, mais qui n'est pas vraiment actif dans la politique. Souterrain, qui était dans son mouvement pour 18 novembre. Bon, on pensait pas t'as fait encore, mais moi, elle tournait sur le lit et ils font conférence hier. Monsieur tend la main à l'opposition. Monsieur dit tout à qui t'a boum qui était avec CARICOM, qui était CARICOM, rejoignez-moi pour nous capoter Ariel Henry. Qui ça nous répond nous-mêmes? Bon, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais est-ce que qui sont répondre? Bon, moi, à répondre que c'est un moment de mise en commun. Quel que soit côté appel, entente, unité assortie, depuis l'authentique, depuis le franc, depuis le sincère, il est important pour nous avancer ensemble. Vous avez doute que le franc, que le sincère, que l'authentique? Non, moi dis, quel que soit côté appel la sortie, depuis le franc, depuis le sincère, depuis l'authentique, il est important pour nous mettre ensemble. Parce que le pays a pour côté de là, je dis. Donc, bon, mise en commun. Donc, nous parler pour nous faire un fond commun avec Jean-Charles Moïse. Une nécessité pour une mise en commun, pillage, ce qui fait. Front uni, c'est un premier pas. D'accord? Nous encourager tout le monde pour nous regrouper et si vous avez le même objectif pour nous joindre. Si c'est sur terrain, béton, nous joindre ensemble comme l'agencement d'une réponse à la situation pays, nous fait ensemble. D'accord? Donc, c'est le moment opportun. Et nous sommes capables de dire pour mise en commun ça a fait Assad et parce que la crise a trop duré. N'est-ce pas? Est-ce que nous parlons pour appuyer la manifestation du 10 novembre que Moïse a fait pour le départ de Ariel Henry? D'ailleurs, même j'ai avec nous, le 7 février 2024, je me suis dit qu'il faut qu'Ariel aille. Bon, d'abord, nous encourager tout mouvement pacifique qu'a fait. Tout mouvement pacifique qui visait à fait Ariel Henry tant de raisons. Ça, c'est pour moi. Tant de raisons, bien, Ali. Bon, bien sûr, tant de raisons, c'est ça, ça veut dire. Oui, tant de raisons, c'est si ça. Non, si vous faites 2 ans, vous n'avez pas de résultat. Mais 2 ans, véritablement, c'est misère, c'est grand goût. 2 ans, c'est destruction de l'espoir. Donc, c'est fort, tant de raisons. Mais en plus de ça, aider, c'était le premier parti politique qui tirait sonnette d'alarme là, pour les dire, n'est-ce pas, 7 février 2024, c'est le dernier temps transition ça. Parce que l'inscrit, n'est-ce pas, dans le document Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes, qui signe 21 décembre 2022, qui est publié dans le Moniteur 3 janvier 2023. Dans l'article 20 sous section 9, il établit la durée de la transition, qui dit 7 février 2024. C'est la fin de la transition. Et madame... Donc, dès maintenant, on a parlé là, il est matériellement impossible pour M. Ariel Henry organiser l'élection, pour les changer constitution, hein, pour les signer, pour la bah, sécurité, et concrètement, pour le faire un organe de... pour le mettre campé un organe de contrôle de l'action gouvernementale, il est matériellement impossible. Donc, on est en face d'un gouvernement démissionnaire qui doit
et effectivement tirer la révérence. Tel n'est pas l'avis de la communauté internationale avec Madame Salvador, qui font tweet, qui dit on ne va pas remplacer une transition par une autre transition. Il faut faire des élections et ceci avec Ariel. C'est un soutien de taille pour Ariel. Quelle est votre réaction? Bon, écoutez, moi je crois que Kenyans ont excès de langage dans position Madame Salvador. Et j'ajoute que Aidé a même écrit au Conseil de sécurité de à l'ONU, correct, justement pour dénoncer la prise de position de Madame. Oui, parce que nous croyons Kenyans ont excès dans langage, ont excès de langage. Et bon côté diplomate, Madame Salvador, qui t'a supposé un diplomate de marque, expérimenté, bien sûr, qui est représenté secrétaire général Nations Unies en Haïti. Donc, il doit connaître sa convention de Vienne, qui, ici, en 1961, dit sous et façon la parler en d'un pays, façon la ingérer en d'un, nous avons dit, question nationale. Donc, nous-mêmes, nous pensons, nous inviter Madame Salvador pour les ressaisir et rentrer dans la fonction diplomatique pour respecter le principe qui régit, on est capable de dire, fonctionnement État et qui est accrédité là, qui c'est Haïti. C'est vrai, avec Ariel Henry, question yo galvaudé. C'est vrai, avec Ariel Henry, où on État vassal, où on État reste avec. Ou gon diplomatie tête en bas avec Ariel Henry, c'est vrai, mais moi pense que tout n'est pas perdu. Faut que Madame Nalimani respecte ça, l'apprenne, ça les connaît dans la question diplomatie, dans la question représentation diplomatique. Et c'est ça que fait effectivement nous écrit secrétaire général là, et nous écrit également conseil sécurité, président conseil sécurité et en exercice représentant permanent la Chine. Pour nous exprimer désaccord, nous mécontentement, nous face à déclaration fâcheuse, intempestive que Madame Salvador fait, Nassa qui vient à gestion même et crise. Parce que c'est international là, excusez-moi, un sac rapide. C'est international là qui a préconisé une solution haïtienne à la crise. C'est eux qui a prêché chaque jour pour haïtien ou mettre ensemble pour résoudre crise. Une solution haïtienne. Donc dans un moment émissaire yo dans pays a que haïtien apchita entre yo, nous pas penser qu'on déclaration comme ça de bienvenue. Nous penser que au contraire, li fait déclaration ça en façon pour entraver processus dialogue là, processus discussion et négociation yo. Donc nous penser que important pour secrétaire général là rappeler à l'ordre Madame Salvador sur question ça. Et si madame non, par exemple te dit faut qu'elle aille, est-ce que t'as la même position, nous t'a dénoncé les fait ingérence? Et ça c'est un dilemme. Non, c'est pas un dilemme. Hein? On dit madame non, dit. Non. Tu dis ça me rit. C'est parce que faut. On dit madame t'a dit. Non. Ariel, c'est février pas... faut aller. Nous tout t'a battre bravo. Non, faut pas poser problème là de façon binaire. C'est pas nous pas poser de façon binaire. Et moi crois que comportement régit par convention de Vienne que l'État a signé en 1961 sous relation diplomatique. Il y a convention de Vienne sur relation diplomatique en 1961. Il y a convention de Vienne sur les relations consulaires en 1963. D'accord? Donc, l'État a signé ou ses représentants ou institutions multinationales, multilatérales, excusez-moi, ou gagné un comportement pour gagner dans la crise-là. Mais ça me connaît. Claude Gonnini, moi, avant, suivant quelques positions blancs en faveur ou d'accord, y compte ou pas d'accord. Non, mais c'est pas la question. C'est ça, c'est en Haïti. Non. La question, c'est que, ou d'accord même, que dans le mouvement, n'a pas cherché, elle n'a pas fait justice. Et ça, je le comprends. Et ça, c'est fondamental. Il n'a pas fait justice même au gouvernement. D'accord? Parce que ça le fait. Il fait ou montrer nous clairement que vous supportez le pouvoir, alors que vous êtes supposé qu'on positionne. Ça vient renforcer conviction. Vient renforcer conviction par rapport avec. Il n'est pas aidé à Ariel. Et c'est pas sans raison de penser que pouvoir pas célébrer. Déclaration. Dans la rue, etc. Il pas célébrer, il va faire tout ça. Parce que pour moi-même, fondamentalement, il y a une discussion qui a fait entre acteurs. Il faut qu'on ait une chance
pour pas d'accord ou bien pour d'accord. Est-ce une grande date pour retourner pour CARICOM tourner? Bon, c'est dans mi-temps mois de décembre, il est supposé tourner et Assad et moi penser qu'il y a tourner dans un moment où senti gagner la caractère bien même bon document bureau bien sûr qui capable de refléter position que acteur. Il fait 12h à 24 minutes après petite pause pour une fin à Claude. Nous allons parler du dossier assassinat Jovenel Moïse, les avancées du juge. Pierre-Espérance dit juge Lavigne a tout blindé. On va quand même la convoquer. Il y a l'ancien ministre de la Justice, M. Vincent, qui est convoqué. Et c'est après la pause, mesdames et messieurs. Donc, c'est pour le ministre qu'il a arrêté Mounzaïo. Donc, il faut le reconnaître. Les Soulages, les Vincent, les...